Comment faire pour attirer l'attention d'une femme? D'une femme? Oui. Je suis une femme, comment elle va connaître? Un homme fait comment pour attirer facilement ton attention? Ah ok, moi, pour attirer mon attention, il faut qu'il soit attentionné, comme le mot proprement dit. Il faut qu'il se soucie de moi, oui. Qu'il s'inquiète pour moi, il cherche à savoir comment je vais. Qu'il soit toujours vrai. Quand tu es vrai avec moi, tu m'as déjà séduit. Quand tu es vrai, direct. Quand tu me rencontres, non, tu dis ce que tu veux directement. Tu me dis ce que tu penses. Monsieur, je suis laide, tu me dis que tu es laide. Monsieur, je suis belle, tu me dis que tu es belle. Donc, tu ne contournes pas. Tu ne fais pas trop vite ta besoin. Ouais. Et ce que j'aimerais savoir, comment faire pour te draguer, pour t'aborder, pour te draguer dans la rue? Dans la rue? Oui. D'abord, moi, j'aime draguer dans la rue. Ouais. La plupart de mes relations, ça se fait toujours de façon naturelle. Genre, on se fréquente, et puis ça arrive. On constate qu'on a des sentiments et puis on m'a jamais fait les psss, j'étais dragué. Donc, si on t'a jamais interpellé, par exemple, mademoiselle, s'il te plaît, je te pose le verbe. J'écoute pas ça, d'abord, quand on m'interpelle, il m'arrête pas. Tu n'arrêtes pas pourquoi? Il m'arrête pas pour écouter. Parce que quand il marche, c'est là où je parle, mais je ne pas faire ce que j'ai à faire. Je ne regarde pas à gauche, à droite. C'est que c'est ça, c'est que je vais m'arrêter chaque jour, je vais passer toutes mes journées en route pour reprendre aux gens. Mais et lorsque tu t'assois dans un endroit public ou bien dans un restaurant? Je ne m'assois pas seule. Si tu es accompagné de quelqu'un ou d'une personne, soit d'une amie ou de quelqu'un, je ne m'assois pas seule. Wow. Et ok, dis-moi, est-ce que pour toi c'est important que le mec soit friqué? Friqué? Oui. Pas important, mais nécessaire. Un minimum est toujours plus important, est toujours très important. Le minimum, il doit gagner environ combien par mois? Il doit gagner quelque chose. Enfin, quelque chose, qu'il gagne. Quelque chose, c'est combien? Même si c'est 1000 francs qu'il a. C'est la vérité. Non, je suis en train de dire quoi. Il y a les métiers, par exemple les vigiles, qui gagnent au moins 50 000 ou 30 000. Ils vivent, ils ont les familles. Oui. Toi, est-ce que tu pourrais accepter un homme qui gagne 100 000 francs par mois? Il défonce son mec. Un homme qui gagne 100 000. Oui, 100 000 francs. 100 000 francs, les gars, c'est environ 150 euros. Ok. Est-ce que tu peux, tu te vois, nous sortir avec... Le gars, c'est pas en fonction de son salaire ou de son, de ce qu'il gagne quotidiennement. Je l'accepte lui. C'est pas son salaire que j'accepte. Pourquoi tu ris? T'es dit non? Tu me dis. Je l'accepte d'abord lui. Maintenant, ce qu'il gagne, ce sera juste un plus. Oui. Voilà. Et toi, tu penses que tu peux apporter quoi dans une relation aujourd'hui? Apporter? Oui. Beaucoup de choses. Comme? Si j'ai un homme aujourd'hui qui veut de moi, je peux lui faire des enfants, je peux proposer des idées, je peux l'amener à investir, on peut réaliser beaucoup de choses, vivre ensemble. Tu n'as pas encore d'enfant? J'ai un enfant. J'ai un enfant. Il ressemble bien, ressemble à son père. Il ressemble à son père. Ok, les gars, elle a un bon moule et l'enfant ne la ressemble pas. Parce que son moule est plus bon que ma part. Ok.